Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Ein Zain, Alakha Vav, Alakhot Abayim, Nehamat Aseuda. La Alakhot, des choses qu'on mange dans la Seuda. Yesh Anoagim, Beshabbat, Veyom Tov, Levarech, Albasar, Vedagim, Betsim, Umine, Tafshim. Operot, Kodem, Netilat, Yadayim, Ubirkat, Amotzi. Kede Lashlim, Mea, Brachot, Beshabbat. Yesh Laim, Almashi, Ismochu. ואין חילוק בזה בין אנשים לנשים. אך, אחר שהתחיל בסעודה, אין לברך על בשר, דגים ומיני תבשילים. כיוון שאוכלים קודם הסעודה, יזהרו שלא כן, יאכלו כזית, כדי שלא ייכנסו בספק ברכה האחרונה. כן, on va diviser cette הלכה en deux, en deux parties. ידיע לרב, ינא כי זו למנהג שבת ויום טוב, puisque שבת est יום טוב. Il y a un problème que avec tous les brachot qu'on fait pendant le chol, okay? Les brachot qu'on fait pendant le chol, la tfila c'est 19 brachot, on fait 3 fois par jour. La tfila Shabbat, on ne fait pas 19 brachot, 3 fois par jour. Alors ça diminue au niveau de 100 brachot qu'un homme il est obligé. David HaMelech Alav HaShalom a institué 100 brachot qu'on est obligé de faire tous les jours, grâce à cause de, excusez-moi, à cause d'une épidémie qui avait. Okay. Il y a eu une épidémie, à l'époque de David HaMelech, et il a vu qu'il mourait des gens, il a fait une takana qu'on est obligé de faire 100 brachot tous les jours, mais là, l'épidémie s'est arrêtée. C'est pour ça qu'il y a ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Shabbat et Yom Tov, comme il n'y en a pas 19 brachot dans la tefila, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, après le kiddush, le matin, ils rajoutent quelques brachot. Quelques brachot. Comme par exemple, chez Akol, Maisonot, Etz, Adama. Juste après, Amotzi. Ken, juste avant, excusez-moi, juste avant Amotzi. Avant le tiers de Naim et Amotzi. Pour avoir 100 brachot. Et ils ont sur qui s'appuyer. Et il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Les femmes aussi, il faut savoir. Les femmes aussi, ils ont une obligation de faire 100 brachot tous les jours. Ah, comment la femme, elle fait une fila. Ah, quand elle fait une fila, c'est un problème. Quand même, elle doit manger des petits trucs, des onotes, chacol, etc. Il dit, mais par contre, si on a déjà commencé l'amseouda, on a fait déjà amotzi nitiatedami, amotzi lechemina aretz, là, on n'a pas le droit de faire les brachot, okay, sur le poisson, sur la viande, etc., à part les sucreries, comme il nous a dit le rab, ou les fruits. Et kevan, shorin kodem amseouda, isa ou shelo yochlu kazait, et puisque maintenant on mange avant amotzi, il faut faire très attention de manger kazait, moins que kazait. Parce que si maintenant le bonhomme il va manger plus que kazaïd, il sera obligé de faire bracha achrona. Et c'est pas bien de faire bracha achrona puisque tu vas faire maintenant un motzi de rabinaret, tu vas faire des quatre amazones après. Puis, machloumem kazaïd kodem aseoudaha kidush lo yva chou bracha achrona. Si maintenant quand même le bonhomme lui n'a mangé kazaïd, 27 grammes, okay, après le kidush, alors là quand même on va pas faire bracha achrona. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un doute, on ne fait pas de bracha. C'est une règle chez nous, c'est plus les séparades. On est nos quêtes, on est nos aigles de faire ça fait brachot la quête. Dans un doute, on ne déclenche pas une bracha parce que c'est ça fait bracha les batala. Comment? Bracha des rabbanan. Oui, bracha des Torah, c'est Birkat Amazon par exemple. Tous les brachot, c'est les noms et agvot. Tous les brachot, ça n'empêche pas. Okay. On ne dit pas ça en Birkat Amazon. Selon Birkat Amazon. Selon Birkat Amazon, un homme il a un doute de faire s'il a fait Birkat Amazon oui ou non. Là, il doit faire les trois premières brachot. Mais la quatrième bracha, il ne doit pas faire. Pourquoi? Parce que c'est des rabbanan, la quatrième bracha. C'est pas que la première bracha qui est de retard? Non. Les trois brachot jusqu'à Boné Yerushalayim. Jusqu'à Boné Yerushalayim, après, il répond Amen. Pourquoi on répond Amen? On répond Amen parce que, okay, en général, c'est une brachot. Maintenant, pourquoi on répond Amen, Bécheket, à voix basse et pas à haute voix? C'est la source. En général, quand on répond Amen, dans mon Yerushalayim,
Quel? On répond à voix basse. Hein, Robin? Pourquoi? Non, on répond à voix basse pour pas que les gens ils comprennent qu'on a terminé Birkat Amazon. Celui qui fait Birkat Amazon, il dit Amen. On est tous en dit Amen. Non. Même le Mevarer? Oui. Il dit Amen dans ça. Vous venez au Shalem Amen? Ok. Top. On dit à voix basse. Regarde le sidour. Même c'est Amazon. Marqué Belachash. Ok. Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalayim, Amen, Ve'omer Belahash. Et il dit à voix basse. Pourquoi il dit à voix basse? Pour que les gens, ils ne vont pas comprendre qu'on a fini de faire Birkat Amazon. Il y a encore une quatrième bracha. C'est-à-dire? Il nous dit le rab. Même s'ils ont compris que ça. Non, c'est même qu'ils ont. Maintenant, ils savent la halakha, c'est bon, ils comprennent qu'il faut faire la quatrième bracha. ואם אכלו מהם כזית קודם הסעודה, לא יברכו באחרונה, תספיק באחרונה אחרת, וכן אם אכל עוגה קודם הסעודה, שיהיו כזית. אנסי אוסיף מנו, סי למונג'ה, כן, אנגתו, אבון הסעודה, קונטיטי דה כזית. אינו במהר ברכה האחרונה, דשמה ברכת המזון פותרתו. Il ne fait pas bracha haona parce que peut-être le birkat Amazon rend quitte. Quand il fait bracha haona? Le cas, il est comme ça. Il a fait borer miné mesonot avant de faire amotzi. Okay. Il dit le rab, ne fais pas bracha haona. Okay. Même que Bezat Hashem, on verra et on va expliquer plus tard. Même avant le il y a un problème. Ouais, même avant le repas. Seulement si maintenant il y a un décalage d'une demi-heure ouais. Entre la bracha haona et amotzi. S'il y a un décalage d'une demi-heure, là, tu dois faire à la Myriam, à la Kakala. Et si tu n'as pas un décalage d'une demi-heure, okay, tu ne dois pas faire Braha Harona, peut-être le Birkat Amazon ira en quitte. On va expliquer plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être le Birkat Amazon ira en quitte. Parce qu'il faut savoir, le Bezonot, c'est ça fait que pâte. Ça fait que c'est du pâte, c'est du pain. Mais c'est ça fait aussi que ce n'est pas du pain. C'est Bezonot. Et puisque c'est du pain, c'est pas du pain, peut-être le Birkat Amazon ne va pas rendre quitte si ce n'est pas du pain. On verra, on va expliquer. Dans le tzad, qu'est-ce que ça veut dire cela? Qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'il y a des détails. Okay. On verra dans la halakha, quel est. Okay. Yudalet. La halakha Yudalet, elle va nous expliquer tous ces détails. On saute là. Non, pour l'instant, on reste dans la halakha Zay. Shechal tedva veshabbat, tubif shabbat. Veshabbat, yesh ladif lechol perot, veshabbat aminim, veshar, dvarim, anoagim. שנוהגים לאכול בליל ט"ו בשבט רק לאחר סיום הסעודה, שאז יוכל לברך בתחילה ובסוף להרוויח 100 ברכות בשבת. כן, לרב יבן מוזה ספיקי כמוס אמר שעושים ט"ו בשבט, סלון להלכה, יונה כסקיפון, בסדר ט"ו בשבט יפון כמו לסדר דה ראש השנה. על פי סקיפון איזה יקרוב כסיפרי, כן? הלא, איזה כמו שפר ראש השנה, שפר עושי פור ט"ו בשבט, אמם הראש השנה. Le Rav, il est venu, le Rav, on va dire à cette salle, il est venu nous éclaircir la halakha parce qu'on peut faire des brachot le batala ou brachot le natsricha ou chal shalom de faire des choses encore plus graves que cela. C'est pour cela, un homme comme lui, quand le Rav, il est venu, nous éclaircir, Erlin Og, comment se comporter dans les. Un homme, il veut bien faire, c'est très bien. Mais si maintenant il a fait brachot le batala, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il a raté? C'est une bracha la batala. Après, un homme, il se pose des questions. Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Pourquoi? Fais attention. Comment tu fais les brachot aussi? Alors maintenant, quand c'est tout bishvat Shabbat, alors, il faut... Les hadiths, c'est les préférables. Les préférables de manger ces fruits de Sheva Minim, de 7 Minim. C'est quoi les Sheva Minim? Les fruits d'Israël. Les fruits d'Israël. Quel est les 7 fruits d'Israël? Le blé, l'orge. Le blé, l'orge. Le raisin. Le raisin. La date. La date. La figue. La figue. La grenade. Le livre. La grenade. Et la grenade. 7. La pomme. La pomme, non. La pomme, c'est Rosh Hashanah et encore. La pomme, c'est pas dans les cédés, vraiment. Les cédés, regardez dans le Shulchan Aruch. On leur ajoute la pomme. Avec le miel. Top.
On verra après. Ça, c'est Rosh Hashanah. Il nous dit le Rav. Tout Bishvat. Alors, il y en a qu'il le laisse à la fin de la Seouda. À la fin, quand ça fait Birkat Amazon. Pourquoi tu laisses à la fin du Birkat Amazon? Parce que tu pourras faire la bracha avant et après. Et tu vas gagner aussi les brachot à la Myriam, à la Kalkala, ou à la Geffen, ou à la Priya Geffen. Ou tu vas gagner aussi des Bourin Nefashot. Pourquoi? Pour avoir encore plus des brachot en plus. Pour avoir 100 brachot en fin de compte. Mais là, il dit après, il dit pas avant. Il dit après. On peut faire avant aussi. Oui, mais tu rentres maintenant dans un bracha, dans un Safek Bracha, Ken, Acharona. 1, 2. Ça fait que si maintenant tu vas, quand il va boire, prendre un Revi'it, et d'après Maran Shulchan Aruch, il faut faire très attention de ne pas manger un aliment entier, par exemple cacahuète entière. C'est un problème. Parce qu'il y a des poskim qui disent que si l'aliment il est entier, okay, tu dois faire bracha harona. C'est pour cela que c'est conseillé. La halakha n'est pas comme ça. Même quand tu as mangé par exemple une cacahuète entière, tu ne vas pas faire bracha harona. La halakha n'est pas comme ça. Mais sauf, même Maran Shulchan Aruch, il dit de faire attention de ne pas manger un aliment entier. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu fais la bracha? Tu prends l'aliment, tu le croques, et après tu continues, tu peux manger la cacahuète entière. Il n'y a aucun problème. En deux temps. Vous allez faire très attention. Vous dites, et de ne pas manger avant, c'est bien de manger après. Et si maintenant tu as pris tous les fruits de Tu Bishvat, okay, après que tu as fait un motzi, et non, tu fais pas bracha harona à la Myriam al-Kakala ou Boré Nefashot sous les fruits, puisque maintenant, Birkat Amazon, que tu vas faire après le repas, ça va rendre le kit. Alcool, panim lo yochal ma perot ben akidush seouda shiou kazait. Il dit par contre, faut faire attention de ne pas manger des fruits entre le kidush et la seouda, une quantité de kazait. Pourquoi? Et déjà, le caresse avec Bracha Harona. Pour pas que maintenant il va rentrer dans un doute de Bracha Harona. Bon, on a pas chaud. Sauf, parce que tu as bien qu'à Amazon. Après, il ne mange pas plus que Kazaït. Parce que si maintenant tu vas faire Ken, tu vas faire Bracha Harona, tu vas manger plus que Kazaït. Tu seras obligé peut-être de faire Bracha Harona, mais tu vas bien qu'à Amazon. Bah, on le fait bien qu'à Amazon. Quand je suis bien qu'à Amazon, je ferai pour les cacahuètes et tout. Mais peut-être tu dois faire la Bracha. Peut-être, puisque tu as mangé que kazaït, peut-être tu dois obliger de faire bracha harona, oui. Mais tu as bien Birkat Amazon qui est juste après 10 minutes. Bah, soit Birkat Amazon, ça rend quitte et puis Boré Nefashot. Oui. Et tant mieux. D'accord. Soit ça rend pas quitte et je dois faire bien Boré Nefashot. Et ça, c'est Tigorem, les brachas, j'ai la tsira. Tu causes une bracha qui est en vain. Ou faut la faire Boré Nefashot. Voilà. Je vais la faire, j'ai mangé une cacahuète. Non, si tu as mangé, pas une cacahuète, même quand dis-moi cacahuète, tu as mangé par exemple. Ouais. Et tu as mangé une quantité de kazaït dans un temps de 7 minutes. Ouais. Là, c'est, bah, maintenant, tu dois faire. Tsira, je dois faire bracha harona, c'est ça. Tu dois faire bracha harona. Mais puisque maintenant, tu as Birkat Amazon, juste après. Alors cette bracha harona là, c'est bracha chez Nasrika, j'ai pas le droit de la faire. Birkat Amazon, ça rend quitte. Voilà. Boré Nefashot. Alors tu rentres dans un doute que tu as pas besoin, que tu dois faire bracha harona. C'est quoi le oui doute? Ou non? Est-ce que tu dois faire bracha harona oui ou non? Ça là, c'est quand je mange des cacahuètes, je dois faire bracha harona. Oui, mais puisque maintenant tu as Birkat Amazon juste après, alors c'est bracha harona, elle est en vain. Alors, je fais pas bien faire pour une voilà, alors, puisque tu as mangé un chiou, puisque tu as mangé une quantité, cette quantité-là maintenant de kazaït, elle va t'obliger de faire peut-être la bracha ona. Et puisque tu as bien qu'à Amazon, tu n'as pas le droit de faire bracha ona. Alors, je fais pas bien faire ona. Voilà, alors non, tu ne manges pas kazaït. Pourquoi? Parce que tu rentres. Attends, ça, tu rentres dans un chiou, bracha ona. Mais je dois la faire toujours. Le Marocho, une fois, il est venu vers le. Non, mais c'est quoi le safek? Je ne suis pas dans la base, moi. Je suis dans. C'est quoi le safek? Le safek, il est comme ça. Tu es obligé. Maintenant, quand tu as mangé kazaït, qu'est-ce que tu dois faire? Bracha ona. Ben fais-la. Alors, je vais la faire. Eh ben non, tu as bien qu'à Amazon? Alors, je suis Birkat Amazon, tranquille. Ah, alors pourquoi tu es rentré dans un chiyuv de bracha harona? Parce que j'avais faim. Eh, mais tu es au chiyuv bracha, maintenant c'est Birkat Amazon, tu comprends? Tu es maintenant entre Birkat Amazon. Ah, ça fait que de base, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce puisque qu'on fait Birkat Amazon ou rentré dans un chiyuv de bracha harona, c'est un chiyuv, okay. Alors tu dois faire bracha harona. Mais puisque maintenant, tu as Birkat Amazon juste après, c'est bracha harona, elle est sur la sricha, ça s'appelle bracha chez la sricha. Alors, pourquoi je ne fais pas juste Birkat Amazon, toujours les cacahuètes? Et ben c'est ça qu'on fait. C'est pour cela, moi, ne mange pas kazaït.
Alors j'ai qu'à manger kazaït et faire berkat amazon. Peut-être tu devais faire aussi pour une fachot. Ah, il y a un safé. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas trop, ils savent pas pourquoi. Non, non parce qu'en principe, tu dois faire pour une fachot. Je vais t'expliquer. Il y a un autre en fait, il y a un problème, je ne suis pas au courant. Voilà, il y a un autre problème. Que c'est, ça, c'est la halakha aussi, Yud-Dalet. Ils n'ont pas tranché dans la halakha, est-ce que c'était pour une fachot ou. C'est vrai qu'ils n'ont pas tranché. Alors, c'est pas un safé. Je peux. Tu es obligé de la faire après que tu aies. Dans un riou de manger kazakh. Maintenant, puisque maintenant, ça s'appelle bracha shenatzicha, puisque maintenant la birkat amazon, elle va rendre quitte ton kazakh, maintenant quand tu vas faire boren nefashot, là, tu causes une bracha shenatzicha. Il peut très bien manger les cacahuètes, et en mangeant les cacahuètes, il dit je me rends quitte par le birkat amazon. Voilà, mais non, c'est ça. Parce que là, mais il est très bien dans la bracha. C'est vrai, mais ils n'ont pas. Ils n'ont pas shoot. Il est goré, ça s'appelle goré bracha shenatzricha d'après Maran Ashouk. Non, mais s'il fait bien Amazon, il ne fera pas boriner sa chose. Il n'y aura pas de bracha shenatzricha. On arrête là. La halakha, elle est comme ça. Ça s'appelle goré bracha shenatzricha. Mais là, quand tu rentres dans un. Quand tu manges une quantité de kazaït, tu vas être peut-être goré bracha shenatzricha. Alors c'est pour cela que nous, pour ne pas rentrer dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait? On ne mange pas kazaït. ובין שבת ויום טוב מותר לכתחילה להניח הפירות לאחר ברכת המזון. ידי, ברכת, כן, בשבת ויום טוב זה מותר לכתחילה de laisser les fruits après ברכת המזון. כדי לברך עליהם גם ברכה האחרונה, pour faire la ברכה האחרונה sur ces fruits, ולהשלים בכך יהיו 100 ברכות בכל יום. Et comme ça, on aura en plus 100 ברכות. Mais la rouge baiser les brachas chez Natsucha et on ne craint pas les brachas chez Natsucha, Shabbat. Ach, bimot achol chez no chasser be brachot la hachlim li minyan bracha mea brachot. Et chatrila en raoul la niach. Baiser ou mea chez l'autre chez Natsucha. Voilà, mais Shabbat. Parce que non, le minyan il est Shabbat et Yom Tov, les chachamim ils ont dit. On parlait de Shabbat et Yom Tov. Je vais expliquer. Shabbat et Yom Tov. Je vais expliquer. Les brachot bracha shenatzricha, ça veut dire quoi? Mais d'après Maran Ashulchan Aruch, tu fais un motzi lechem min haaretz, okay? Et juste avant que tu fais un motzi lechem min haaretz, tu as des fruits. Okay. Là maintenant, qu'est-ce que tu vas causer? Pas des fruits, excusez-moi. Tu as un gâteau. Tu fais boremin de zonot sur le gâteau. Mais attends, le motzi va rendre quitte ce gâteau. Tiens, par exemple, un plat. Il y a un plat. On va donner un autre exemple quand il y a plus de kishia. Il y a un plat de pâtes. Tu n'as pas fait de nidia déjà. Ah, voilà. On parle quand tu as fait déjà. Shabbat ou temps normal? Même Shabbat. Tu as fait le kidouche. Et puisque maintenant tu as fait le kidouche et tu dois maintenant faire un moti, manger après Birkat Amazon. Quand tu fais maintenant, mets son autre sur le plat, sur les pâtes. Ça s'appelle Tchegorem, l'imbracha, etc. Parce que tu vas manger. Vous savez pourquoi? C'est à quel moment on est gorem? Vous savez pourquoi je comprends juste pas? Juste avant que tu fais le motzi. Parce que si c'est. Non, mais c'est quand le moment où il y aura. Où c'est quand tu vas arriver à Kazaït. Ah, j'ai une question. C'est quand le moment du Kazaït? Non, je ne parle pas de Kazaït maintenant. Puisque tu vas faire un motzi et le motzi va rendre quitte. Ah, au moment où je fais motzi, c'est un problème. Voilà, j'ai une c'est quoi? Tu as gorem les brachas et là tu causes une bracha chez Natsricha. Tu causes une bracha que la bracha de Maisonot sous les pattes. Tu causes cette bracha là, puisque maintenant le motzi tu vas le manger dans une minute. La table elle est dressée, tu vas le manger ce motzi. J'aurais pu faire motzi sur les pattes, c'est ça? Non, tu fais motzi. On fait pas motzi sur les pattes. Alors c'est quoi? Tu as les pains devant toi? Ouais. Tu vas manger quand tu fais un motzi? Tu vas rendre quitte maintenant même les pâtes? Ouais. La ronde ou non? Oui, moti, ça rend les pâtes. Ouais. Ça rend quitte les pâtes. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Moti, donc ça, on peut faire moti sur les pâtes. Si moti, ça rend quitte les pâtes. On ne peut pas faire moti, on peut pas faire, on n'a pas le droit donc, de faire moti. Moti, ça rend jamais quitte les pâtes. Si tu manges, bien sûr que oui. Si tu fais moti, tu manges des pâtes, tu refais mes onotes? Non. La halakha, elle mais est... si je suis d'abord mes onotes et après je fais moti. Je vais pas y aller ailleurs. Tu manges un plat de viande. Ouais. D'accord? C'est des yakos, on mange un plat de viande. Top. Tiens, un plat de viande, tu vas manger motzi et un plat de viande. Il rend quitte le motzi et le plat de viande? Il rend quitte même le plat de pâtes. D'accord? Alors, puisque maintenant, toi, qu'est-ce que tu as fait avant de faire un motzi? Tu as fait birkat maisonot ou tu as fait chez Akol sur la viande. Mm.
Et deux minutes après, tu vas faire un motzi. Ce maisonote ou ce shéakol sur la viande, ça s'appelle tigorem. Tu causes une bracha que tu n'as pas besoin parce que tu vas manger le pain maintenant. Donc la bracha qui ne sert à rien, c'est la première bracha que voilà, j'ai fait. La deux maisonotes shéakol. Voilà, la de motzi, c'est pas shana tzricha. Oui, mais au moment où je l'ai fait, elle servait à quelque chose la bracha. C'est juste après qu'on va dire, ah, c'était dommage, t'avais fait la bracha. Non, puisque tu vas faire un motzi, ça s'appelle gorem les brachas. Tu causes une bracha qu'il n'y a pas besoin. D'après Maran la Shulchan Aruch, ça c'est karov les brachas les vatala. C'est pas une bracha les vatala, c'est bracha shena tzricha. C'est karov les brachas. Tu n'as pas besoin, tu vas faire un motzi, tu vas manger. D'accord ? On revient maintenant chez nous. Même si au moment où j'ai fait shéakol là sur la viande, c'était hyper important de faire shéakol, j'avais pas le choix. Voilà. Alors pour ça, alors maintenant, plus maintenant, alors on rentre. Dans... Elle marche super bien cette bracha sur la viande. Ça, Shabbat et Yom Tov, il permet en condition que tu ne vas pas manger une quantité de kazaït. Puisque si tu vas manger une quantité de kazaït, là tu vas rentrer dans un hiyouf de faire bracha acharona bore nefashot. Et pourquoi il n'y a pas bracha chez Natricha? Parce que Shabbat, ils ont permis parce que tu peux avoir 100 brachot. Mais Chol, c'est assourd. Alors, on écoute qu'est-ce qu'il dit le Rav, et après, Bezat Hashem, et les Pilpoulim, on va expliquer plus. Et Ren Yaseh Belel Rosh Hashanah, et ainsi aussi va faire Belel Rosh Hashanah, Shachar Shebirech Hamotzi, Yochal Kazait Lechem, qu'après qu'il a fait Birkat Hamotzi, il va manger Kazait Lechem, okay, un 27 grammes, et il va Rech Alat Marim, il va faire Blabracha sous les dates, et Shah Dvarim Shenoagim, il Yochal Belel Rosh Hashanah, et toutes les autres choses qu'on mange Rosh Hashanah. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Ainsi aussi les femmes, ils doivent faire 100 brachot tous les jours. Puisque maintenant, c'est une mitzvah qui ne dépend pas de temps. C'est une mitzvah qui ne dépend pas de temps. Puisque c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps, maintenant les femmes aussi sont chayavot de faire les brachot, les 100 brachot. Quel? Aochel qui chouille, on est dans la chet. Aochel, oui, Shmuel. Je vais poser une question. Vous avez d'accord qu'on a dit rapidement, juste, on a dit que si maintenant on a fait le kidouche, on ne peut pas faire une bracha sur quelque chose parce que peut-être qu'on devra faire la bracha. Tu peux faire. Non, si maintenant j'ai fait kidouche, je ne peux pas manger une pistache parce que peut-être je devrais faire la bracha arona sur la pistache, mais ça ne sert à rien de faire la bracha arona sur la pistache parce que je vais manger le pain et après je vais faire birkat et ça. Mais maintenant, pourquoi, si ça serait le cas, eh ben ça voudrait dire. Pourquoi maintenant, quand on fait kiddush, on ne fait pas bracha arona sur le vin? Parce que. Oh, parce que Chachamim, ils ont institué qu'un kiddush est la même comme Seouda. Mais là, le kiddush, il vient avec la Seouda. Puisque un kiddush est la même comme Seouda, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un kiddush vient comme Seouda, Yossi? Qu'est-ce que ça veut dire un kiddush vient comme Seouda? C'est-à-dire, le kiddush, il nous rend quitte. Mais d'accord, mais on peut faire bracha arona quand même. Le kiddush est là, bim comme Seouda. Quand il y a tu pas fais kiddush, tu dois faire une Seouda qui accompagne le kiddush, automatiquement. Ouais. C'est un kiddush seulement s'il y a une seouda. S'il n'y a pas une seouda, le kiddush, il ne vaut rien. Mais on reste au même makom. Voilà. Juste, on fait la bracha arona. Comment? On reste au même makom, mais on fait la bracha arona sur le vent. Et après, on fait motzi. Mais on ne fait pas comme non, ça, pourquoi? Non, puisque c'est karov, puisque c'est proche à un motzi. Maintenant, Chacham, ils ont institué kiddush et motzi. Mais là, le kiddush, il n'est pas en vain. Et il n'est pas, même que tu bois un karevi. Mais peut-être qu'on doit faire à la mechia. Peut-être qu'on doit faire à la gefen. Quand même, c'est mouta. Chachaye, même amour, vraiment. Hadakobo. Aochel kishouim, tu verras maintenant dans la hayud gimel ta réponse. Aussi. D'accord? Regarde bien maintenant dans la hayud gimel, tu verras. Aochel kishouim ou agvania. O yere kabush o mebushal. O mine hamoutsim betora seouda. Et non, mevarech aleem boré pré adama. Share baim et hamad a seouda. Un homme qui mange. Des kishouim. Kishouim, c'est des courgettes. Ou agmania, c'est des tomates. Oh, yerek kabouch. Vas-y, yerek kabouch, Yako. Des légumes macérés. Macérés. Ou mebouchal. Ou des légumes qui sont mebouchalim. Ou mené hamoutsim.
des sortes de concombres, cornichons, dans la Seouda, et on ne doit pas faire la bracha, boré, priha, adama, même sur les cornichons. Quand on dit dans Seouda, c'est dans une Seouda, on a fait moti avant. Exactement. Seouda, quand on parle Seouda, c'est après que tu as fait un moti et tu dois manger kabetza ou kazait. Quand on fait. Comment? Il n'y a pas que ça, on ne fait pas la bracha. Non, c'est faux. Si tu manges un bonbon, tu dois faire la bracha. Non, si on a fait un moti. Non, du bonbon, le moti, il ne rend pas quitter les bonbons. Ok, non, pas les bonbons. À part ça, par exemple. Par exemple, une pomme, elle ne rend pas quitter le moti, elle est pomme. Les fricassés, le thon, ça rend quitte. Les fricassés aussi, ça rend quitte. Mais, il n'y a pas de bonbons. Ken. Il dit, Sharé, Bahim, Mechamad Asouda, plus que maintenant, ils viennent maintenant vers la Seouda. Aval, Im, Shouvouva, les fans, maintenant, regardez bien, c'est à la Khala, c'est une Alakha, et il faut se concentrer. Que ça, c'est très fréquent chez les gens, et ils passent à côté. Il lui dit, Aval, Im, Shouvouva, les fans, mais auto Yerek, maintenant, si, le même Yerek, Yerek, ça veut dire les végétaux. Légumes. Les légumes. Ces légumes, maintenant qu'il est venu, Chai, les Shem, Kinoar, Seouda. Cru. Tu as mangé maintenant un concombre à la fin de la Seouda. Le dessert. Concombre autant que dessert. Là, parce que le dessert, tu es obligé de faire la brachaona sur le dessert. Et là, maintenant, ici, tu as le concombre. Tu as mangé une salade avec le pain. Maintenant, tu as fini le pain. Okay. Et maintenant, il te reste, on t'a emmené maintenant des concombres. Ça, et tu dois faire boré priya adama sur le concombre. Hayab le barech aleem. Ken, bracha rishona sur le concombre. Mais la reine, il mochel besov al seouda, les kinoar, seouda, kishoui, mon lomé a fait fondre chai. C'est pour cela, si maintenant, à la fin du repas, tu vas manger maintenant kishoui. Je ne sais pas si quelqu'un qui va manger des kishoui, ça veut dire des courgettes. Des courgettes crues. Il y a quelqu'un qui mange des courgettes crues? Ça ne se mange pas. L'abdafka des courgettes. Voilà. Tout ce qui peut venir manger au début de la seouda dans une salade et qu'à la fin, on le sert en temps. Quinoa, le dessert. Voilà. Alors il devra faire la bracha s'il mange cru. Exactement. C'est un chidouche énorme. Voilà. Bon, personne ne va le faire. Mais si personne ne va le faire. Mais tu verras. Chez les Français, c'est très fréquent. Tu sais pourquoi? Parce que combien je vois. Non. Chez les Français, c'est fréquent qu'ils mangent la salade après. La salade verte. La salade verte, après le repas. C'est pas un quinoa. C'est non. Mais puisque. Voilà. C'est pareil avec ton beau-père. Plein de fois. C'est la définition de quinoa d'après la salade. Puisque quinoa, ça veut dire le dessert. Puisque oui, maintenant tu manges pas. C'est un dessert ou pas? C'est comment? Ah, ça la pas, les pas. Le pain. Kevan chez le pain. Kevan chez ma charta yatra me alechem. Vas-y ma charta. Non, pas qu'il n'y a plus de pain. Pas rien qu'il n'y a plus de pain. Ma charta. Même qu'il y a le pain, il est là. Mais toi, tu as retiré ta main du pain. On mange pas ça avec le pain. Hein? Ce cas, il n'arrive pas. Il arrive. Comment il peut arriver? Si maintenant le bonhomme, il a retiré sa main du pain, il ne veut plus manger le pain. Et il va manger quoi? Il va manger la salade. La salade verte? Là, il est obligé de faire la bracha rishona sur la salade. Il peut la manger avec le pain, s'il veut. Je dis, s'il le mange avec le pain, la vada qui ne va pas faire la bracha. Mais c'est lui, il veut plus dans sa tête. Mais si maintenant, il retire sa main du pain, c'est-à-dire le pain, il est là. Et maintenant, il enlève la main, il ne veut plus manger le pain. Il est obligé de faire bracha rishona sur la salade. Donc ça peut se passer au milieu du repas. Si il sait que maintenant, j'ai plus envie de manger du pain. Et là, il se prend un concombre, il commence à manger les salades avec les lives. C'est un problème. Le problème, c'est que ça dépend de quelqu'un. C'est un problème parce qu'il est en plein milieu de repas. C'est plus qu'une discussion. Mais lui, c'est comment ils veulent manger du pain, mais lui, il ne veut plus. Donc, on sait qu'il doit manger du pain. Exactement. C'est dans le cas où il ne peut pas manger avec le pain. Dans le cas où il veut, oui. Si, maintenant, top, on continue. Il dit Oh, Hazeret, Kodem, Yakata, Seuda, Tsarel, Vrech, Aleem, Berkat, Borem, Mitria, Adama, Imka, Bekavanato, Bachilazo, Il est Kinoa, Haseuda. Seulement si maintenant, dans ton esprit, c'est pour. Terminer le repas. Noir, c'est quoi qui noir? Dessert. Afilu imakal bede bayem betor haseouda, kshem ibushalim. Même si maintenant tu as mangé de ce plat-là, quand il est cuit dans ton repas, maintenant tu le manges cru. Maintenant, quand tu vas faire la bracha, s'ils sont crus, tu vas faire la bracha dessus, borepri adama, ou etc. Les kinoar haseouda, parce que c'est le dessert. Même si tu as mangé maintenant dans la Seouda une salade crue,
Ou betocho khatikhat dedans, il y a maintenant des morceaux de concombre dedans. Ou ben sova souda viou le falaf al fond khay le vado le quinoa. À la fin on emmenait des concombres. Concombre et concombre tomate. Il dit le rab, tu es obligé de faire la bracha bon pri hadama sur le concombre ou sur la tomate. Je me kevan, je mitrila ya beta ove nishtana, puisque avant maintenant c'était quoi? Une salade. Et c'était dans ton repas. Là maintenant à la fin de ton repas. Ok? Maintenant, tiens, on te donne un concombre. Tu dois faire pour appeler Adama sur le concombre. Arrête, panim, chadashot, baoulekan. C'est quelque chose qui est nouveau. C'est plus qu'à chour au pain. Il n'y a aucun rapport avec le qu'est-ce que tu as mangé pendant le repas. Et là, chez Im, yesh lefanav min yerek acher. Maintenant, puisque tu es dans un doute, tu as mangé dans ton repas. Tu es dans un doute. Est-ce que tu dois faire la bracha oui ou non? Il nous dit le rab quand même. Si tu as un homme, par une salade, là, avec cette salade, tu vas rendre quitte maintenant le concombre. Pourquoi? Parce que tu rentres dans un doute, parce que tu as mangé une salade concombre pendant le repas. Il dit le rab, ou miyot tov, il verra chalav, il tov, otav, ken, val enzemeakev. Il nous dit le rab, par contre, ken, c'est conseillé, comme il a dit, de prendre par exemple une tomate, et de ken ou une cacahuète et rendre quitte ce concombre là, mais ça c'est l'olikouva, c'est pas obligé de faire ainsi. Quand même, tu dois faire la bracha harona, la bracha rishona sur le concombre au milieu à la fin du repas. Chazak ou baruch.